Bonjour tout le monde. Je sais ce que vous posez comme question depuis hier. C'est de savoir pourquoi les Wu ont eu besoin d'otages. Eh ben, je vais vous aider de près ou de loin. Jordan participera à un braquage. Oui, un braquage. Je vous explique tout ça. Du coup, stop. Ce qu'on va faire, les Wu. T'inquiète. Qui veut venir avec moi sur le coup de la bijouterie? Vas-y, hein, si tu veux. Ok, Kay, Sista et Zirel. D'accord? Les autres, vous tournez tranquillou, on va avoir besoin de vous pendant la course-poursuite. C'est cache les rainettes. À moins que vous voulez. À moins qu'il y en a un de vous trois qui veulent venir. Moi, je vais venir. Les frères, je vous parle derrière. Oui, mais je vais bien. Non, mais je suis là pour faire des plans, tout ça, c'est Mais je abusement. peux venir Ok, aussi? non, toi t'es trop petit, je pourrais pas. Enfin, quoique. Il passe partout. Si, ça peut bien l'initier. Pourquoi il peut pas venir la caméra? Tu sais quoi, Kay? Je vais prendre le petit cette fois avec. Ah non, c'est toi qui conduis. Ah. Non, c'est moi qui va conduire. Ouais, vas-y, moi je m'en fous. Enfin, quoique avec mon œil. Ici, tu vois, non, non, c'est lui qui conduit, frère, ce soir. Dites-moi, il y en a un de potable dans ton équipe. Bon, écoutez, on va le mettre dans la voiture et on y va, les frères. Il faut qu'on prenne une voiture supplémentaire pour que, de toute façon, qu'on mette les deux boucs qui sont là. En cas. Alors, attends, j'ai un matos, j'ai une clé, j'ai trois cutters, j'ai trois ordinateurs, une personne. Moi aussi, j'ai ce qu'il faut. Des sacs. C'est bon? Nickel. Okay. Allez, on embarque dans les voitures, on prend nos voitures les plus rapides. Ça va, petit? Qu'est-ce qu'il fait par terre? Il est con, il est con. C'est toi les le con. Si t'en t'arrives pas les mains derrière ton dos, tu vas pas savoir te relever. Mais si. Ah ouais? Oui. Vas-y. Juste à les enlever, puis c'est toi. Je me relève. Ah, ah ouais. Et voilà. Pas mal, pas mal. T'abandonnerais pas du coup, s'il te plaît? Ouais, y'a pas de soucis. Ouais, c'est sûr. Merci, merci. Ça aurait été drôle que ce soit non. Non, on n'est pas comme ça. Non, mais ça leur apprendra bien fait à eux. Eh oh, tu vas te calmer, mec, Léon, t'es mort. Va te calmer, Warren. C'est pas Warren, déjà. Absolument, je savais pas, hein, mais Jordan et Warren, c'est la même personne, les gars. Hein. Oh. C'est juste Warren, mais qui me met bien avec là. Hein. Je ressens bien à deux. Je vous présente les plus débiles du quartier. Mais c'est Dupont et Dupont. Tiens, viens, viens. On vient jouer à la borne arcade là. Et que Dupont. Tu pourras pas, c'est vous deux les deux petits cons. Non, c'est toi. C'est lui qui dit quoi, toi là? Ah, la petite borne arcade là, magnifique. Vous mettez une pièce? Oui. Oh, comment j'ai pas de pièce. Ah, t'en as pas? Non. Tiens. Hop là. Mike, tu veux jouer sur le team? On va aller ton faire ton frère, des trucs, il a joué à côté. Tu veux venir ou pas, Jordan? Dis quoi? Tu veux rester là ou tu veux venir avec nous? Non, il faut que je vienne avec vous. Et après, il faut qu'on aille chercher Warren. Attends, je finis ma partie. Hein. T'es pas repassé en moi. Attends, je finis. Non, t'inquiète. J'ai pas sans toi, vas-y. T'es terrible, petit con. Sinon, je téléphone à tonton. C'est qui ton tonton? Oui, c'est mon tonton Lamar. Ah, Lamar. Oui, ou tonton Zizi. Tonton qui? T'entends Zizi? Zizi? Oui? C'est qui ça? Zizi? C'est un grand fort avec une casquette et des lunettes. Ah, Zirel! Oui, t'entends Zizi? Ah, ok. Oh merde! Retourne-toi un peu, petit! Oui, quoi? Il a les mains de Michael Jackson! Une paille d'information et tout, c'est pour ça on a une petite cagnotte sur ça en plus, ça tombe bien que t'en parles. Allez, dégage, cagnotte. Moi j'aime bien. Non, mais en vrai, si ça vous intéresse avoir un gamin, on peut vous en vendre un. Quoi? En plus, il y a le Black Friday qui arrive. On peut faire un rabais. C'est lui qu'on vend. Bah non, je suis pas, moi, oui, je suis pas un gamin. Que le gamin, il a l'air plus intelligent que vous deux. Hein. C'est pas vrai. Alors là, trop facile. Et toc. Le matin, il a déjà un 8-10. Au revoir, monsieur et madame. Au revoir. Pauvre gamin, ouais, je vais rester encore la soirée avec ces deux connards. C'est toi le connard, putain, respecte-moi, putain de merde. Attends, il a dit qu'il fallait aller chercher son frère là. Attends, on a des gâteaux pour toi. Mais qu'est-ce que tu me veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Bah, en fait, on a des gâteaux pour toi. Mais vas-y, t'as des gâteaux. Bah en fait faut que j'aille les chercher au quartier parce qu'en fait j'ai acheté des nouvelles madeleines avec du chocolat dedans. Vas-y, je t'attends ici. Vas-y.
Ouais, on va aller chercher. C'est avec des pépites, t'aimes bien? Vite. D'accord. Et on... Vas-y. On arrive. Vite, je t'attends. Même, si tu veux, je te ramène un pot de Nutella. Vite, je t'attends ici. Allez, on va le chercher vite. Allez, vite. En fait, il y avait plus aux pépites de chocolat. Il y avait que des malades normales. Vite, c'est pas grave. C'est mais pas grave. Du coup, bah, on va devoir prendre. Veille. Voilà. Bon, tu peux fermer ton vélo si tu veux. Voilà. Mets le petit clé, le cadenas, tu le fermes. Voilà. Allez, monte dedans. Voilà. Allez. Voilà. Vas-y. Bon. Voilà. Elle est la vie. Comme on avait plus de malade au chocolat, on est obligé de faire ça. T'as un mais téléphone ou des armes sur toi? Mais... Voilà, bah donne-les moi devant. On te les rend juste après parce que si t'as. Ah, t'as l'iPhone 11. Ah ouais, la chance, moi j'ai que l'iPhone 10. Voilà. T'as quel âge, mon petit? Moi, bientôt 14 ans. Ah. 14 ans? Ah ouais. Et c'est grand, quoi ton prénom? C'est Jardin. C'est pas grave. Et vous allez pas faire de mal au moins. Bah bien sûr que non. On va peut-être. On va chercher les madeleines en fait. Vous voulez quoi? Bah c'est pas moi qui a les madeleines en fait, c'est les plus grands. Je voulais madeleines au chocolat. On est avec des madeleines et je voulais pas te décevoir du coup, ouais, j'ai dû faire ça. Non. C'est... Oui, ne pleure pas, t'inquiète. Bien vite qu'on arrive. Oui, t'inquiète pas, on va vite arriver parce que je sens que t'es stressé, tu vas respirer de la bonne air. En plus, je dois faire pipi en plus. Tu dois faire pipi? Du coup, je peux vite aller faire pipi. Va à un endroit caché. Ouais, je vais faire ça. Il va aller faire pipi là. Mais dépêche-toi, il va être trop tard. Oui, on arrive là. Dépose-les ici, il va faire pipi. Ici. Dans les buissons là. Ouais. Il est débarque petit là. Accompagne-le, reste devant lui. Et dis-moi quand c'est fini là. J'appelle Otto, attends. Vite, je me dépêche. Ouais, Otto. Tu t'appelles comment, petit? Mais c'est Jordan. C'est Jordan. Bah, d'accord. Est-ce que tes voix tu passes au quartier? Est-ce que tes voix tu passes au quartier avec un scooter, Jordan? Dis quoi? Est-ce que tes voix tu passes au quartier avec un scooter? Non, j'ai qu'un vélo. T'as qu'un vélo? Oui. On a fait. Oh. T'as fait une petite blague. Bon, Jordan, je te mens pas. En fait, tu vois la petite caméra là qui est au-dessus de moi? Oui. On t'a fait un prank. Oui. Caméra voilà. Cachée là. C'était une caméra cachée. Mais sinon, vous êtes qui? Moi, je suis. Je suis pas. Et c'était une bonne blague ou pas là? Oula. J'ai eu peur. Ah ouais, ouais. Pas avoir peur. C'était un prank. C'est passé. Du coup, je peux récupérer mes affaires. Oui. Ouais. Tiens, hop, je t'y redonne. Tiens, mais ton merci. Téléphone. Hop. Je te passerai une petite bouteille d'eau si tu veux quand ça arrive. Je vais des cakes, comme tu m'as dit. On en a pas là. On en a pas. Mais pourquoi vous promettez des choses que vous avez pas du coup? Désolé Jordan. Et on va en faire pour toi, Guilé. Promis-le. Vous passez une prochaine fois, t'inquiète pas. Mais si à chaque fois que je passe vous faites des blagues, c'est plus vraiment des... Non, c'était la première et dernière. C'est pour t'endurcir Jordan, vous pouvez ça, c'est pour que moi je vais où? Moi je préfère les cales, il faut me laisser tranquille, moi je préfère plus mieux les cales. Oui, mais là au moins t'es devenu un homme qui a un grand H. Et qu'est-ce que tu fais de Rastorna, Jordan? J'étais en fait, justement. D'accord. Attends. Et c'est qui ton frère, là? C'est Warren. Warren? Oui. Ah bon? Il vient ici? Non, mais ici, je l'attends, c'est tout, et en attendant, je me balade, c'est tout. Ok. Eh, t'as sauté petit là. Allez, passe une bonne soirée.
C'est qu'à ce qui paraît, Warren s'est fait choper par les mecs de Ghost Trip. Comment ça? Bah tout à l'heure, il y a un mec qui est venu dans le quartier qui nous a donné le call. Après, je sais pas si c'est vrai, mais j'imagine, non. Skippy s'est fait choper par les mecs de GS. Non? Bah c'est ce qu'on m'a dit, il y a un mec qui est venu dans le quartier qui nous a dit ça. Au moins que ce soit vrai. Mais j'ai déjà, ils m'ont fait une blague, ils m'ont obligé à rentrer dans une voiture vide, mais après ils m'ont dit que c'était une blague. Ils cherchaient quelqu'un avec un scooter apparemment. Ah mais c'était peut-être toi alors. Il a cru que c'était Warren, ce con. Peut-être ça. C'est des mecs de GS qui t'ont fait ça? Des mecs habillés en blanc, des afro, ouais? Bah ouais, c'est peut-être ça alors. Mais... Enfin, du coup, c'est... En tout cas, il ressemble à au descriptif. Oui, puis j'ai moi, mais sinon ça s'est passé à la station essence à Grove Street. Ok, ouais. C'est peut-être ça. Qui c'est, j'en sais rien. Ça va, Jordan? Oui, ça va. Viens près de moi après. La soirée, elle est longue avec ton connard et ton gros connard. T'en touche pas, viens près de moi. Alors. C'est quoi, petit? C'est pas de bière, hein, pas d'alcool. C'est un guerre presque. Tiens. Viens, Jordan. C'est pour lui, aller s'acheter des chics. C'est pour moi, c'est pour mes chics à moi. Ouais. Oh, monsieur, je suis loin. Allez, viens, on y va. Mais, merci beaucoup, c'est gentil. De rien. Moi, je vais pas tout donner. Ouais, non, mais je partagerai avec mon frère. Oui, ça, c'est super, ça. J'ai taxé 500 balles, hein. Bébé, c'est ce qu'est né les fils d'épée, t'as m'expliqué. Oh, comme toi pour avec tes propos là. Non. Jordan. Attention à qui tu parles. Hein. M'en fous. Je t'aime bien, t'es un petit, mais bon, on va te faire enculer quand même. Mais moi aussi, c'est justement, c'est que t'es comme ça depuis le début, alors je t'aime pas, alors j'en ai rien à foutre. Va te faire enculer, petite merde. T'as encore beaucoup à apprendre. Soirée. Du coup, c'est qui se faisait chasser ou je sais pas quoi? C'était Lewis, mais c'est bon, c'était rien. Ok, est-ce que tout le monde est calibré ici? Moi, ouais. Oui, je l'ai. Non, il est où, Bouboule? Ouais. Il arrive, il est parti au magasin vêtements, je crois. Ouais. Attends, j'ai ok, il est pas parti avec la voiture, j'espère. Non, ils ont tout déposé. Ok, super. Il faut qu'on se mette en track. Je vais vite déposer la thune et on va se mettre en track. Il y a une voiture de dispo, ouais, t'as la Buffalo là que j'avais, la S. Ok, allez, super, magnifique. Allez hop. Dis-moi. Les gars, faut choper qui? Il faut choper les mecs à mon cousin surtout. Les Ouva et tous les gens qui travaillent avec les AOD. Ah là, c'est la guerre, elle est lancée. Hein. Après ces enfants à Montpellier, je vais pas directement m'attaquer à eux, mais je m'attaque à tout leur business. Écoute, tous les gens qui travaillent avec les AOD, donc les Ouva, ouais, les Ouva, les S13 et l'équipe à mon cousin, c'est les trois cibles de soi. Écoute, je vais monter voir, si je vois un truc dans le nord. Voilà, je suis en train de partir dans le nord. Et puis on se tient au courant, d'accord? Ouais, tu crois qu'ils sont dans le sud? Ils étaient quoi, à côté plage comme hier? Tu chassais où, les Ouva ou les S13? Ils me chassaient vers le parc Nicolas. Ok, super, bah j'arrive frérot. Chantier, vont vers Venise, côté de l'école. Ok. Donc du coup ils sont dans le sud. Bah non, ça c'est où? Chez l'équipe à mon cousin qui place des cubes. Non mais ça eux là, c'est eux qui m'ont saché. Les Black D place des cubes là. Ils sont Glendale. Ils devaient être dedans. Petit Glendale, ils sont au café, tu les vois? Super, je vais raccrocher. L'équipe à ton cousin, elle doit être dans le café. Non, tu veux qu'elle fasse dans le café, hein. Ils sont pas cons. Écoute, sans nous frérot, derrière, okay. Il dit que moi je vais la chasser, lui il va faire un plan. Ok? Ok. Allez hop. Ok, Audi m'a dit que nous on la chasse, toi tu fais un plan. Ouais. Ok. Là on est devant le LTD. Et là on va vers la marina. On tourne vers la plage. Hé, hey, leur cousin! Un doigt! Hein?
T'as peur? On va vers direction le four de la plage. Là ils vont passer devant le four de la plage bientôt. Non, ils vont derrière le four de la plage. Ils remontent vers la marina là. Ah, ça nous a fait un plus, ça voulait me faire un plan. Roland, je les ai bien arrivés. Derrière le four. Ils sont au niveau du four. Ils sont tous au niveau du four là, ok. C'est eux qui nous chassent, c'est lui qu'on les emmène à c'est la case nous chasse, GS. Là. C'est eux qui nous chassent. On les emmène à la... Ah. Attention. Attends, je suis là. Ils sont plantés. Voilà, ouais, y'a un problème. Ah bah, je suis content, j'avais de la poche, je vois plus trois sarcomes, hein, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui t'a pris, s'il te plaît, conducteur? La vie de ma mère, la coutine, elle passe pas le culotoir, les feux. Mais regarde sa gueule, franchement, je comprends. Allez, on va prendre celui qui a les mains en l'air, hop. Viens avec nous, on va vous envoyer une pause. Allez, monte, Michon. Putain, j'ai perdu une portière dans le tas. Vous êtes quoi dans le sud? Vous avez un contrôle de territoire? Bah non, justement, nous, on a fait un plan, mais ça s'est pas passé comme prévu. Ah, ouais, c'est vrai que là, il s'est pas du tout passé comme prévu. Hein. Qu'est-ce qui t'a pris de monter un trottoir avec une Glendale? C'était pas moi le conducteur. T'as envie de pleurer sur l'épaule de ton conducteur, là. Hein. Là, j'ai honte à sa place. Vas-y, ok, t'inquiète pas. Bon. On a deux, trois petites questions à poser. Dis-moi un peu avant que je te pose des questions, savoir ce que je peux te poser. T'as un petit, un grand ou t'es quoi dans ta hiérarchie? T'as un petit? Ouais. Ok, super. Du coup, je t'explique. Est-ce que vous travaillez toujours avec les AOD ou pas du tout? Oui, il me semble. Voilà, ça c'est bien ça. Ça j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que t'es là. Hier, les AOD, ils ont tiré sur mon père. Ah ouais? Donc, du coup, maintenant, chaque gun qui va travailler avec les AOD, je vais leur poutrer leur cul. Mais quand je te dis de poutrer leur cul, ça, j'ai un maximum de haine, un maximum de vengeance à faire. Mon père, il est toujours à l'hôpital. Il s'est pris un coup de douce hier de la part des AOD. Ouais. Putain de merde, putain. Ouais. Je vais peut-être appeler le président de AOD. Ça me fait pas, ça devrait bien se passer normalement. Normalement, ça veut dire quoi? Eh ben parce que normalement, des fois, il y a des choses, comme tu sais, des trucs, ils sont prévus et ça se passe pas comme c'est prévu. Mais non, mais moi je suis gentil. Ah oui, moi aussi je suis gentil. Ça veut dire que c'est, ça devrait se passer bien quoi. Non. Allô. Pourquoi? Ouais, ça va très bien et toi? Si, admettons, il se passe un autre truc. Ouais, mon père est toujours en vie. Dieu l'a aidé, il s'en est sorti. C'est un casque que t'as sous tes cheveux. Ah non, c'est tes cheveux, petit, du con. Eh, petit, viens voir. Beaucoup prié pour lui. Tu coupes les ondes de pied ou pas? Maintenant, je dois te dire merci de m'avoir tiré sur mon propre daron. Tu sais couper les ondes de pied ou pas, petit? Qui? Toi. Toi. Moi? Ouais. Non. Attends, t'inquiète, tu vas voir ta femme. Comment ça? Plus de problème. Pas compris, les gars. L'artisan est passé. Tu sais ce que c'est, hein, vous? Les frères, montez un peu au-dessus avec le boy. Tu sais ce que c'est, hein, vous? Pas du tout. Un vous, ah c'est ouais. Un mélange de Bloods et de Crips. Tu sais, les Bloods, l'un des premiers gangs aux États-Unis qui a été fondé dans les années 60. Ça veut dire que nos fondateurs, dans certaines branches des États-Unis, telles comme LA, ont décidé justement de se mettre ensemble. Pour justement. Justement, qu'on a des têtes brûlées, qu'on est prêt à combattre. Là, devant moi, j'ai un mec qui travaille avec toi. Comment il s'appelle, le boug? Arturo. Il s'appelle Gomez. Arturo, t'es à AES-13, toi, hein? Oui. AES-13. Donc écoute, hier, t'as voulu tirer sur mon papa, et en plus de ça, je veux te dire merci. Moi, on m'appelle Père Ratata.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tous les gangs qui travaillent avec toi, je leur fais leur cul, je leur fais la guerre, et je vais essayer de les emmener ailleurs. Non, mais je préfère te prévenir que tu vas pas vendre beaucoup de grammes. Et t'étonne pas si t'as ton stock, il s'accumule, mais que t'écoutes plus rien, quoi. Ouais, ouais, encore. Tu, dis-moi, le S13, hein, tu t'en bats les couilles de sa gueule. Quoi? Je sais pas, parce que j'ai trop envie de me venger de hier. Non, la question c'est s'ils sont battés les couilles de... Je vois ça avec son réflexe. Oui, les gars. Un des babayes. T'as dit quoi, petit? En plus d'être un voleur, c'est un puant. Voleur, j'ai volé mon gars. Mais c'est pas lui, c'est voleur, volé... c'est Louis. Non, non, c'est il a volé les 500 dollars de Warren. Ah ouais, ouais. Voleur. D'ailleurs, il est où le petit, non? Ah, voleur. C'est... Il doit être dans la chop ou quoi, frérot, t'inquiète. T'inquiète, Imagine, il s'est fait taper dans la folie. C'est qui là-bas? Ou là-bas? Ou là-bas? Qui nous vise là? Oh, y'a un mec là-bas, c'est lui. C'est là-haut. Bah. Ah ouais. Bah, c'est le petit. Un bon petit, ça. Il guette. Jordan. Oui. École du OG. Oui. Bon. C'est ce qu'ils ont fait, les messieurs, hier. Pas tout vraiment, enfin, ils ont fait du mal à papy. Ils ont tiré son papy, ouais. Ces petits salopes parieux. Et il se trouve que les mecs qui ont tiré son papy, c'est des gars, c'est ses boss à lui. Non, c'est pas moi, promis, c'est pas moi. C'est pas lui en particulier, mais tu c'est sais, la moi. Vengeance dans la rue, petit. Non, c'est pas mais moi, s'il vous plaît. Mais ce sera sur toi et t'auras pas le choix. Non, c'est pas moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Petit. Mets-lui un coup de pression comme ça, non, pris comme devant le miroir. Allez, lève tes mains, espèce de fils des pètes. Lève tes mains, fils des pètes. Oui. Alors, comme c'est... On veut des mal à mon papy, à moi. Non. Allez, mets-toi à genoux, fils des pètes. Oui. Dépêche-toi, fils des pètes. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Oui, mais tu vas pouvoir t'esquiver. Garde-le bien. Oui. Je peux écrire un poème sur ton papy. Comment il s'appelle ton papy? Il l'appelle papy. D'accord. Vas-y, t'as bien raison. Cherche un poème et comme ça tu feras les excuses devant tout le monde. T'as surtout pas intérêt à bouger d'une seule miette, d'un seul millimètre. Est-ce que je peux te faire le début? Ouais, tu peux t'entraîner et si j'aime pas, D'accord. Je fais un truc, j'ai peut-être pas envie. Désolé, papy, tu t'appelles comment? Oui, moi je m'appelle Jordan. Bah, je suis revenu parce que la dernière fois qu'on t'a laissé un gars tout seul, tu t'es fait baiser. Désolé, papy de Jordan, j'espère que tu es béni. C'est bien? Oui, c'est un bon début. Vous pouvez m'aider à trouver la suite, s'il vous plaît? Non, tu cherches tout seul. Mais je lui ai dit de faire des excuses pour papy. C'est bien, non? Ouais, c'est bien. C'est pas bête. Dépêche tes fils des putes, en plus tu le ferais devant tout le monde. Donc si c'est nul, devant tout le monde. D'accord. Réfléchis bien. Désolé, papy. Attendez. Je stresse. Désolé, papy de Jordan. J'espère que tu es béni. Aujourd'hui je suis pris, mais demain je prie. C'est pas mal, non. C'est pas mal, hein. Attendez. Aujourd'hui je suis pris en otage, mais demain je prie. Si, continue. Faut vous m'aider, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Avoir... Non, je vais pas t'aider. Est-ce que tu m'as demandé des lettres pour faire mal à mon papy? Hein? Dis-moi. Est-ce que tu m'as demandé de l'aide? Non, je crois pas. T'as fait ça tout seul, dis chef toi-même. Ça va, t'as fini ton coup de pression, petit? Oui, il est en train de finir. Il fait une lettre de ses excuses pour papy. Il fait une lettre d'excuses pour papy? Oui. Ok, très bien. Comme ça, on verra devant tout le monde s'il est vrai, il a pas fait exprès comme il dit. C'est bien ça, ce que t'as dit, hein. T'as dit que oui, c'est pas moi, oui, peut-être. Oui. Si c'est pas toi, c'est les autres. Oui. Ça doit sûrement être les autres. Ouais.
Oui. Ça va au coin? Ça va, ça va. Je t'explique un peu les histoires. Ouais. Mais ce qui est pourquoi vous allez récupérer votre boy. Tu feras passer un message à ton quartier. Tous ceux qui travaillent avec les AOD. Malheureusement, on va devoir les fouetter. Quand je dis les fouetter, c'est vraiment les fouetter. Hier, ils ont tiré sur mon propre daron. Ils ont enlevé le petit Warren. Ils ont fait des actes et des choses qui ne sont pas effaçables. Donc, simple avertissement. Si vous continuez à travailler avec eux, qu'on a les infos, voilà comment vous allez finir, comme votre boy sur le teco. Ok. Là, tu viens de le péter parce qu'on travaille avec les AOD. Exactement. Ce qui veut dire que tous ceux qui travaillent avec eux, on va déclarer une guerre à tous ceux qui travaillent avec eux jusqu'à temps qu'ils vendent plus un seul gramme de mètre dans la rue. Il y en a du monde alors. Hein. Ouais, il y aura du monde, mais t'inquiète pas, on a les bras longs. C'est pas un souci ça. Ah, si tu le dis. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi les sirènes là? Non, les gars, me dites pas que. Oh les gars. C'est juste du passage. Oh, vous êtes sérieux là? Ça va. Écoute, récupère ton gars, fais passer le message au réfet. Vas-y, au pas moins, souci, Au moins le message est passé, mais la prochaine fois on sera moins gentil. Par contre, là. La porte, ils sont vraiment là. Non, rangez vos armes, c'est des toubib. Oh non, je te fais la position. Allez, pose-y. Au tir, les bungo. T'es prêt? Vite, je t'écoute. Désolé, papy de Jordan. J'espère que tu es béni. Et aujourd'hui, je suis pris en otage, mais demain, je prie. Je voudrais, s'il vous plaît, éviter... Il faut y aller, vite École du OG? Oui. Bon, c'est ce qu'ils ont fait, les messieurs, hier. Pas vraiment, enfin, ils ont fait du mal à papy? Ils ont tiré son papy, ouais. Ces petits salopes parieux. Et il se trouve que les mecs qui ont tiré son papy, c'est des gars, c'est ses boss à lui. Non, c'est pas moi, promis. C'est pas moi. C'est pas lui en particulier, mais tu sais, la vengeance dans la rue, petit. Non, c'est pas moi, s'il vous plaît. Mais ce sera sur toi et t'auras pas le choix. Non, c'est pas moi, s'il vous plaît. Arrêtez. Petit, mets-lui un coup de pression comme ça, pris comme devant le miroir. Allez, lève tes mains, espèce de fils d'épée. Lève tes mains, fils d'épée. Oui. Alors, monsieur. Comme c'est. On veut des mal à mon papy, à moi? Non. Allez, mets-toi à genoux, fils d'épée. Oui. Dépêche-toi, fils d'épée! Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Vais, mais tu vas pouvoir t'esquiver. Carte-le bien. Vais. Je peux écrire un poème sur ton papy. Ah, tu veux. Comment il s'appelle ton papy? Il l'appelle papy. D'accord. Vas-y, t'as bien raison. Cherche un poème et comme ça tu feras les excuses devant tout le monde. Et t'as surtout pas intérêt à bouger d'une seule miette. D'un seul millimètre. Est-ce que je peux te faire le début? Vas-y, tu peux t'entraîner et si j'aime pas, je. D'accord. Je fais un truc, j'ai peut-être pas envie. Désolé, papy. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Jordan. Là je suis revenu parce que la dernière fois qu'on t'a laissé un gars tout seul, tu t'es fait baiser. Désolé papy de Jordan, j'espère que tu es béni. C'est bien? Oui, c'est un bon début. Vous pouvez m'aider à trouver la suite s'il vous plaît? Non, tu cherches tout seul. Mais je lui ai dit de faire des excuses pour papy. C'est bien non? Ouais c'est bien. C'est pas bête. Dépêche tes fils des putes, en plus tu le ferais devant tout le monde. Donc si c'est nul, on... devant tout le monde. D'accord. Réfléchis bien. Désolé papy. Attendez. Je stresse. Désolé papy de Jordan, j'espère que tu es béni. Aujourd'hui je suis pris, mais demain je prie. C'est pas mal hein. Attendez. Aujourd'hui je suis pris en otage, mais demain je prie. Continue. Il a peine d'inspi, je crois. Faut vous m'aider, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, je vais pas t'aider. Est-ce que tu m'as demandé
des lettres pour faire mal à mon papy. Hein? Dis-moi. Est-ce que tu m'as demandé de l'aide? Non, je crois pas, t'as fait ça tout seul, dis chef toi-même. Ça va, t'as fini ton coup de pression, petit? Oui, il est en train de finir, il fait une lettre d'excuses pour papy. Il fait une lettre d'excuses pour papy? Oui. Ok, très bien. Comme ça, on verra devant tout le monde s'il est vraiment. Il a pas fait exprès comme il dit. C'est bien ça, ce que t'as dit. Hein. T'as dit que oui, c'est pas moi, oui, peut-être. Oui. Donc si c'est pas toi, c'est les autres. Oui. Ça doit sûrement être les autres. Ouais. Oui. Ça va quoi? Ça va. Je t'explique un peu les histoires. Ouais. Est-ce que, pourquoi vous allez récupérer votre boy? Tu feras passer un message à ton quartier. Tous ceux qui travaillent avec les AOD, malheureusement, on va devoir les fouetter. Quand je dis les fouetter, c'est vraiment les fouetter. Hier, ils ont tiré sur mon propre daron. Ils ont enlevé le petit Warren. Ils ont fait des actes et des choses qui ne sont pas effaçables. Donc, simple avertissement. Si vous continuez à travailler avec eux, qu'on a les infos, voilà comment vous allez finir, comme votre boy sur le teco. Ok. Donc là, tu viens de le péter parce qu'on travaille avec les AOD. Exactement. Ce qui veut dire que tous ceux qui travaillent avec eux, on va déclarer une guerre à tous ceux qui travaillent avec eux jusqu'à temps qu'ils vendent plus un seul gramme de mètre dans la rue. Il y en a du monde alors, hein. Ouais, il y aura du monde, mais t'inquiète pas, on a les bras longs. C'est pas un souci, ça. Ouais, si tu le dis. C'est quoi, là? C'est quoi les sirènes, là? Non, les gars, me dites pas que... C'est juste du passage. Vous êtes sérieux, là? Gaëté, toi. Ça va. Écoute, récupère ton gars, fais passer le message, j'aurais fait. Vas-y, pas de soucis. Au moins, le message est passé. Mais la prochaine fois, on sera moins gentil. Par contre, là. La porte, ils sont vraiment là. Non, rangez vos armes, c'est des toubibs. Je te fais la allez pose. Allez, au tir, les bungos. Viens, on y va, je te fais la pose. Je dis pas que c'est Louis qui est tombé. T'es prêt? Oui, je t'écoute. Désolé, papy de Jordan. J'espère que tu es béni. Hein? Que tu es béni. Et aujourd'hui, je suis pris en otage, mais demain, je prie. Attends. Mais demain, je prie. Je voudrais, s'il vous plaît, éviter... Attends, il faut y aller. Attends, vite. Allez, viens, Kay, on y va. On va à parking central. Ok, il y a Lamar là, il est parti chercher Zed, après on récupère moi et Jordan là, on est en train de chercher de voiture et tout. Essaye de les tenir, juste les voir où ils vont quoi. Je sais pas, apparemment il y aurait un barrage de flics au-dessus du pont du Bénise. Il y a des ES13 et des 74 qui se sont fait choper ou je sais pas quoi, je sais pas ce qui s'est passé. Après moi j'en bats les couilles hein, nous c'est nos avantages hein. Bah, je crois qu'il nous a oublié, tonton. Bah, si. Jordan? Oui? Appelle Lamar, s'il te plaît, petit. Ou appelle Zel. Tonton Zel. Ils vont passer casse? Mais viens, prends l'autre voiture! Prends pas l'autre voiture! Parce que normalement, il devait nous récupérer, Lamar, et tu connais, si je pars alors qu'il doit nous récupérer. De toute façon, il est parti juste sur le plan. Ok. Tu penses que c'est... Tu crois que c'est les ES13 qui se font prendre par les flics qui partent plutôt les OVA et du coup ils essaieraient de les aider? Attends, j'hésite, décroche pas. Oh putain. J'espère qu'ils sont pas fait péter. T'es où là? Bah non, tu veux pas me récupérer? Avec Jordan, vas-y t'inquiète, t'as pris la butte pas long, on va la réparer, on tourne. Vas-y, t'inquiète. Vas-y.
Mais attention, c'est en train de se braquer. Quoi, ici? Ouais, ouais, à ta place, j'irai pas. Oh merde. Veille, 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 veille. Oh la dé. Vas-y, bah les Ouva, ils étaient là-bas et les 74, ils sont en train de braquer le Beniz. Vas-y, j'arrive. Je suis avec toi là. Ok, vas-y. Ouais, t'inquiète, j'ai compris. Ouais, donc fais gaffe. Fais gaffe, Jordan, ça peut-être tirer. J'ai pas fait gaffe, hein. Ça peut venir de n'importe où, hein. Je sais pas où ils sont. Moi je les ai vus dans leur batte, hein. Quand ils ont vu, ils ont couru dans leur batte. Ah ouais? Ouais ouais. Ils arrivent là les frères, faites gaffe hein. Attention, attention. Wow wow wow, ça tire. Attention, attention, ça va arriver! Attention, ça va arriver! Ça va arriver d'ici, ça va arriver d'ici! Faites attention! Faut être ensemble, faut être ensemble! Faut écouter le son de ma voix! Ça va arriver ici où je vise, où je. C'est par ici, petit. Kay, recule! Kay, recule! Ils sont grave mal, ils sont grave mal. Je les ai enculés. Ok, on protège ce quartier, on protège ce quartier, on protège ce quartier, les frères, on les laisse pas rentrer, hein. Quelqu'un de chez nous blessé? On a des infos? Je sais pas, en tout cas. Ah ouais? Ouais, 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 c'est Junior. Ah, à nous? Junior est blessé? Ouais. Putain. En plus, on va voir tous les flics qui... Ok, est-ce que tu peux me couvrir sur toi? Je vais essayer de porter Juju. Ouais, vas-y si tu veux. Attends, viens, attends. Moi, j'ai rien pris, hein. Si tu veux, j'y vais. Hein. Vas-y, on va faire un truc. Tu vas le chercher, je te couvre. Vas-y. Tu vas le chercher, vas-y. 3, vas-y. 2, 1, go! Go, 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 go! Vas-y, je te couvre. Prends-le, prends-le! Vas-y, vas-y, remets-le en arrière, viens, viens, viens. Vas-y, bien vu, bien vu, bien vu. Oh là là. Oh, ça, c'est bien de... en face, sur la gauche. Il est où, tonton? Je sais pas. Il est grave mal, il est grave mal.
Reste avec moi, petit. Pas beaucoup de munitions en plus. J'ai vu tonton Zizi me sont courir en face. Ok, j'ai que 5 munitions. Tiens, t'en veux ? Tiens. Non, mais c'est du 9 mm qu'il me faut. Ah, viens. Vas-y, ok, il faut qu'on se casse. Est-ce que t'as vu où est tombé tonton Lamar ? Non, pas du tout, je sais même pas où il est. Ah putain, viens en cours. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez compris que les grands ont participé à un gros braquage. Mais sans la participation des petits. Cependant, à l'extérieur du braquage, ils ont tout de même participé. D'ailleurs, vous avez même pu voir qu'ils ont subi certaines conséquences sans vraiment comprendre pourquoi et qu'est-ce qui leur arrive exactement. Et là, nous savons que Jordan a été blessé. Je vous rassure tout de suite, cela reste superficiel. Il a bien été entendu par les médecins. Et vous allez voir, d'ailleurs, aussi, qu'il lui est rien arrivé aux yeux de la police grâce à un toubib qui va veiller sur lui et qui fera en sorte que la police ne retombe pas, en tout cas, sur Jordan. Vous le savez, ce qui arrive n'est pas dû à leurs actions, à eux. C'est pour ça que ce médecin va entièrement les aider. Sur ce, pour la deuxième fois, je vous dis, Jordan va bien et on se voit demain. Herman Lapidus, protecteur de ses enfants.